Allez, bismillahir rahmanir rahim. Aujourd'hui, nous pouvons faire unit 25, impératif. OK? Et ce qui est intéressant, c'est qu'avant de faire un unit, je finis d'y aller avant. Il y a ces autres livres bien, bien clairs, alhamdulillah. Nous commençons, bismillah. How to form imperative. Avant, qui est ça impératif? C'est quand nous pouvons donner l'ordre. Et laisse-moi dire, impératif, quand nous servons impératif, comment serait ça? Il dit quand nous donnons l'ordre. Et nous sommes capables de diviser impératif en deux. N, quand créature fait cause avec créateur. Est-ce que vous suivez moi? Et deuxième, quand créateur fait cause avec créature. Est-ce que je vais suivre lui? Et tous les deux nous servent impératif. Toutefois, quand créature fait cause avec créateur, nous disons insan. Insan fait cause avec Allah, quand nous peut servir impératif, il ne veut pas dire nous peut donner l'aude. Il ne veut pas dire nous peut donner l'aude. Il veut dire nous peut faire un dua. Nous peut demander, nous peut faire un dua, un request, si je veux. OK? Par contre, ça même verbe impératif-là, il est conjugué tout à fait pareil. Quand il dit Allah, bevin à insan, là, il bevin en l'aude. Est-ce que c'est bon? Allez, nous continuons. Oui. Donc, ça nous connaît quand servir impératif bien facile. Nous servir impératif quand nous peut faire dua, nous ne pas dire, quand nous peut demander quelque chose, quand nous peut causer avec Allah. Et en même temps, quand Allah peut causer, nous, et là, il vient l'aude. Nous continuons. Deuxième chose, c'est comment conjugue impératif. Comment conjuguer impératif? Et souvent, impératif, livine, alors, ce que je vais mettre là. Premier point, nous servir gessive. Qui se comprend pas gessive? Exactement. OK, donc, quand on veut dire servir gessive, en deux mots, on veut dire, qu'elle ne termine pas, second. Et quand il y a un nom qui arrive, non là? Tomber. Non là, tomber. OK. Allez, on continue. Jassif, donc pour nous faire impératif, nous servir Jassif. Autre chose, donc si nous voulons dire Jassif, Jassif c'est present tense, n'est-ce pas? Jassif c'est present tense. Est-ce que dans past tense, nous avons Jassif? Pays n'a ça. Past tense est uniquement past tense. Il y a trois halets. Uniquement présent, il y a trois halets. Il y en a indicative, subjunctive et Jassif. Ça nous garde dire malfour. Mansoub et majzoum. Là, nous pouvons servir majzoum pour nous form impératif. OK? Donc, N, pour nous faire impératif, nous servir jassif, nous servir modalaire majzoum. Deuxième, nous remove prefix. Qu'est-ce que vous comprenez par retirer prefix? Rappel, présent préfix. N'est-ce pas? Mais par contre, là, nous pouvons faire impératif. Donc, quand nous pouvons faire impératif, il n'y a pas de préfixe là. Est-ce que c'est bon? Donc, nous pouvons couper préfixe. Troisième affaire et dernier, c'est si l'étant nous coupe préfixe, il y a un mot qui peut rester là. L'étant nous coupe préfixe, il y a un mot qui peut rester. Ça, mot qui reste là, si arrivé, il commence par seconde. Nous pas capable de lire. Je remarque qu'il n'est pas capable de lire. Les là qui nous fait then add an alif. Alif. Nous ajoute un alif in the beginning. This pour qu'il nous capable de lire. Je peux trouver une chose comment les pour venir. Est-ce que c'est bon? Nous continuons. Allez. Est-ce que je peux trouver modalaire majzoum? Et remarquez majzoum, il termine par jazam. Est-ce que je peux trouver mon curse? Oui. Très bien. Est-ce que vous avez trouvé l'issue? Normalement, il se faisait yes, you do. Oui. Vous avez trouvé ça ou là? Mais quand il me zoom, il n'y a pas yes, you do, il y a une yes. Vous aurez fait good. OK? Yeah. Ici, yes, you done, il se faisait yes, you done. OK, là, ça normalement, il se faisait yes. Mais à cause du me zoom, nous tiens non. Est-ce que vous comprenez? OK. Oui. Donc, l'annulo, jassif. Allez, nous continuons, jassif. L'autre affaire qui est important, quand nous pouvons faire impératif, c'est nous pouvons donner l'autre. Et normalement, nous donnons l'autre avec un dimon avec qui nous pouvons causer. Est-ce que je vais suivre? Oui. Okay. En d'autres mots, lesquelles personnes qui nous poussent à vie là? Deuxième personne. Pose question là. Deuxième, exactement. Nous poussons à vie deuxième personne. Alors. Voilà.
Est-ce que vous avez trouvé lequel nous vous servez? Nous vous servez uniquement deuxième personne. Vous avez trouvé? Voilà. Vous avez uniquement deuxième personne parce que mon pas cause troisième personne, c'est un demon qui me peut cause se causer. Mon pas peut cause hors lit. Première personne, c'est moi-même. Donc, impératif, lui pour regarder uniquement deuxième personne. Uniquement. En d'autres mots, under. Allez, je vais me souligner, je t'en. Lui pour regarder uniquement under. Deuxième, lui pour regarder anti. OK? Lui pour regarder un-to-main. Et rappel, nous avons des un-to-main. Vous avez connu que ça, des un-to-main là? Premier un-to-main, c'est deux garçons avec qui m'opé causer. Et deuxième un-to-main, c'est deux filles avec qui m'opé causer. Donc, trois, libre aussi regarde un-tune et un-tune. Est-ce que c'est bon? Ici aussi, OK? Oui. Allez, maintenant, l'autre affaire, rappel qui... Un tune, ce nom n'est pas sorti. Je vous rappelle ça nom ici là. Un tune, ce nom quand l'adjectif n'est pas sorti. Je me fais encercler nom là. Ça nom là n'est pas sorti. Rappelle adjectif, adjectif féminin pluriel, ce va nom rester. Ok, c'est tout? Oui. Allez, nous continuons. Allez, maintenant, process to form imperative. Remarquez ici, mon prend two ban, mon prend this ban deuxième personne, mon met la balle horizontale, ici, mon fait living vertical. Est-ce que je vais trouver? OK, là. Donc, tout simplement, ici, sa première là, c'est pour un, je vais trouver que ça. Sa première là, c'est pour un, deuxième pour un, troisième. Un tuma, quatrième un tuma, un tum et un tune. Alors, à partir de sa présence adjective là, nous pouvons former impératif. Allez, qu'est-ce que tu rappelles nous besoin faire? Tiers préfixe. Nous besoin tiers préfixe. Exactement. Alors, tiers préfixe. Voilà, vous avez trouvé porter mon coup préfixe? Oui. Vous avez remarqué la porte mon coup préfixe. Qui pour rester? Qu'est-ce que qui pour rester? Nous sommes dans le premier là, qui pour rester? Alors, je continue. Cool. Voilà. Cool. Il pourrait tous, je, ça avec ce compte et Jude. Est-ce que je vais capable d'y aller? Non. Non. Pas facile pour y aller. Qui fait parce que l'IP commence par N seconde. Et normalement, cool. Je suis capable de dire en arabe comment dire man voyelle. Je connais ça. Comment dire voyelle en arabe? Harakat. Je connais littéralement que veut dire harakat. Littéralement, harakat veut dire mouvement. Donc, il permet de nous avancer. Un harakat, il permet de nous avancer. Comment dire I, ou, il permet de nous avancer. Oh, qui s'en me là, l'étant d'un tiers préfixe, le papé commence par un harakat, le papé commence par sukun. En deux mots, nous ne pouvons pas avancer là. Comme si le tela papé démarrer même. Si le tela papé démarrer même, comment pour rouler? OK? Donc, nous allons donner un démarrage. Comment nous donner ce démarrage là? Un alif. Nous donnons un alif. Voilà. Nous donnons un alif. Maintenant, ça alif là. Rappelle bien, ça alif là, ce n'est pas un alif qui est là, ça. C'est un alif qui nous met parce que pape est capable de causer. Pape est capable d'avancer. Est-ce que je peux suivre ça? Oui. Rappelle bien, ça alif là, pati est là, ça alif là, c'est un alif qui nous a besoin de mettre pour qu'il nous capable d'avancer. Et comment nous voulions ça, Alif, là, maintenant? Remarque, qu'est-ce qui nous besoin guetter? Nous besoin guetter qui harakat qui peut suivre Alif. Premier harakat qui suit Alif. Second, nous pas pour compter, il n'est pas vraiment un harakat, il n'est pas permettre nous avancer. Alors, qui harakat qui peut suivre Alif? Qui se trouve? Demain. OK, nous trouvons demain, ou soit on va dire simplement, ou. Voilà, demain là, ici. Si tu commences par demain, Alif là aussi, nous aussi nous pouvons y aller avec un dhamma. Est-ce que vous avez qu'à suivre moi? Alif là, comment nous pouvons y aller? Nous pouvons y aller avec un dhamma. En d'autres mots, nous pouvons tous jud. Est-ce que vous avez qu'à suivre lui? Oui. OK, nous continuons. Nous sommes deuxième. Donc, c'est us jud, comme dire un dhamma, c'est présent, il veut dire you are prostrating.
Par contre, comment dire usjud, l'infini vin impératif. On pose avec un nouveau ensemble, on peut dire usjud. Posteani, l'infini vin impératif là. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc l'infini vin impératif là. Usjud, c'est comme on peut cause avec un nouveau ensemble, on peut dire posteani, usjud. Allez, nous continuons. Tasjudina. Oui, mais dans un temps, il y a un kikan qui besoin mieux qui là. Ça me dit que nous capables mieux de là. Allez, mon mieux de là, ok? Mon mieux de là, une chose à vous tendre sa base là. Et bien sûr, comment c'était là pour causer cette unmute, ok? Deuxième, Tasjudi, c'est comme on peut causer avec une fille. Pareil. Tasjudi, vous mettez. Mais pour tia ce, te, qui pour rester, ou ce judi, papé capable d'y aller, qui nous pour faire, nous mettons un alif. Est-ce que c'est bon? Et ça, alif là aussi, qui nous mettez l'eau alif là? Dom. Dom. Ok, nous mettons un dom. Divine ou ce judi. Qui faire? Parce que prochaine harakat, c'est où? Prochaine harakat, c'est pas i. Est-ce que c'est d'accord? Je vais remarquer la harakat, i. Mais l'ipap, c'est pas oui. I. Prochaine harakat. Prochaine harakat, c'est où? Où? C'est tout? Allez, nous continuons. Donc, comme on peut causer avec un film, on peut dire usjudi. Usjudi, infini vin impératif, on peut causer avec un film, on peut dire prostiani. Usjudi. Allez, nous continuons. Nous venons pour un tuma. Livin. Tas Judia, le temps nous coupe ce te, respous Judia, papé capable lire pareil. Nous mettons alif, et ça alif là aussi, nous pouvons lire comme us Judia. Us Judia. Nous continuons, renougain, tas Judia. Pareil, nous tient ce te pour respous Judia, nous mettons alif, toujours lire bien, us Judia. Est-ce que mon cas continue? Alors, nous continuons. Alhamdulillah, va quoi avec un joli l'appli? Allahumma sayyiban nafi'a. Donne-nous un appli profitable. Allez, nous venons le test du dou. Test du dou, c'est pour qui prononce ça, s'il vous plaît? Regardez-moi, test du dou. Oui? Antum. Exactement. Là, c'est mon papa cause avec un garçon, mon papa cause avec une fille, mon papa cause avec beaucoup de monde. Ok? Là, mon papa cause avec beaucoup de monde. Donc, comment les pouvez venir? Toujours, l'étant du tiers ce terme pour être du dos, pas capable de lire. À ce qui pour faire, nous mettons un livre. Mais aussi, pour venir du dos. OK? Et test du dna, ça c'est pour un dna. Quand vous savez test du dna, s'il vous plaît, la mauvaise chose avec qui ça là? Un dna. Très bien. Un dna, en deux mots, mauvaise chose uniquement avec van fille. Toujours, nous tiers ce terme pour être du dna, pas capable de lire. Nous mettons un livre, il vient au du dna. Est-ce que c'est bon? Donc, oui. Voilà, ça c'est, ça bout ici là, c'est impératif, nous finissons impératif là. Voilà, ça c'est impératif. Est-ce que c'est bon? C'est dans moi, c'est dans moi. Qu'est-ce que c'est dans moi? Non, c'est 3D, là pas c'est dans moi. 3D, je ne peux pas comprendre, récemment je ne peux pas sourire, je ne peux pas comprendre. Pas de là, on va se mettre demain. Mais c'est vrai que quand nous mettons à l'île, vous avez cette demande. Pas de problème, nous comprenons. Allez, right. Demande une minute avec Z. Le alif là, vous avez demain. Le alif. Le alif. En fait, le tuban alif là, oui. Allez. Oui. Bon, répondre à sa question là. Dis bon, répondre à sa question. Non, ça, c'était pas dans l'explication, mais finalement, nous ne comprenons pas. Oui. Allez, attends, demande une minute avec Zut. Voilà, ça c'est impératif. Maintenant, je peux dire à moi, bizarre mettre ça d'homme là. Allez, laisse-moi répondre à sa question là. Et souvent, je ne cas pas trop ça d'homme là. Dans le Coran, surtout, rappelle bien, dans Maurice, nous avons des copies du Coran. Nous avons une copie qui vient depuis l'Aine, nous avons une copie qui vient depuis l'Arabie. Est-ce que je vais capable de suivre moi? Oui. Souvent, oui. Si je get une copie. Oui. Ma copie, c'est qui vient depuis l'Aine, souvent, il peut mettre ce d'homme. Par contre, une copie qui vient depuis l'Arabie, il n'est pas pour mettre d'homme. Est-ce que vous pouvez suivre moi? À cause de ça, moi, je ne peux pas trop mettre d'homme là. Il n'est pas pareil. Dans le Coran, il n'est pas pareil. Vous êtes une suivre? Oui. OK. Donc, moi, je ne peux pas mettre d'homme là qui fait parce que dans le Coran, si je get copie l'Arabie,
li pa pou ekri sa domma la. Donc, comment je peux y aller? Tout simplement, je vous aguette sa haraka qui peut suivre là. Est-ce que c'est bon? Oui. Oui. Allez, on va continuer. Dans le prochain slide. Donc, c'est ce qui va mettre sa carré là, là. Ça, c'est impératif. Donc, il y a impératif pour « ente »,« enti », »,« de entuma », »,« entum » et « entun ». On va continuer. Une question. Oui, bien Une sûr. Question. Oui. Ça veut dire qu'on nous fait devoir. Oui. Quand nous avons fait des voix, qui nous a invité? Nous mettons d'homme ou pas d'homme? Et. Moi, je vous conseille, bon, il n'est pas néré. Si je ne pas mettre, il n'est pas néré. Donc, vous pensez qu'il y a une seule réponse qui est correcte. Vous pensez que tu l'aides correct, je vais mettre d'homme, je ne vais pas mettre d'homme. Tu l'aides, vous pensez correct. Mais toutefois, moi, je vous demande, je vais mettre d'homme là. Qui fait mauvais demande, je ça pour me connaître si je ne comprends pas. D'accord. Ok, mais si je ne pas mettre, il n'est pas néré. Mais moi, c'est moi qui vais demander pour mettre lui pour qu'il me connaisse qu'il se peut qu'on mette d'homme là ou pas. Ok? Ok. Allez. Ok, merci. Continue, hein? Il y a qui est arrivé là? Je vous guette ça d'homme là qui est arrivé là. Est-ce que je vais trouver les combien? Un de, un di, un tuma, un tuma, un... Ok. Allez. Est-ce que je vais trouver l'écran? L'écran que je vais pêcher avec vous là, ok? Donc, oui. Vraiment, ok? Pour un moment... Nous avons un verbe, Lily capable, yes, you do. Capable, yes, you do. Est-ce que je vais trouver? Un autre verbe, Lily capable, yel, que, ou. Ok? Que veut dire yel, que, ou? À bosser. Bon, à bosser, oui. Yel, que, ou, ça me dit le mot recours. Faire recours, si vous voulez. Qu'à bosser. Ok? Nous avons un autre verbe qui est Lily capable. Il est capable yar firu. Qui fait moi mettre ça trois verbes là? Moi je prends ça trois verbes là comme l'exemple. Ça quatre qui différence entre ça trois verbes là que moi je prends ça trois là comme l'exemple là. Voilà, ça différent. Voilà, ce haraka. Remarquez, en là c'est yes you do. Li you, yes you do. Le tala li yar que ro. Pendant que le tala yar firu. Alors, je vais comment il Un ali yes, you do. Le tali yer, karo. Pendant que le tali yer, firo. Vous êtes une troublée? Oui. Ok. À ce là qui va arriver, normalement, si on a un verbe comme ça, si un te, il peut venir us, you do. Qui fait parce que prochain harakat, ou. Pour tout le monde, dire us, you do, us, you di, us, you da. Us juda pareil, us judo et us judna. C'était bon. Correct? Oui. Par contre, ça dit là, pour yer karu et yer firu, prochain haraka qui était ici c'est E, ici c'est I. Allez, d'après vous maintenant, est-ce que ça alif là nous pouvons mettre où? Non. Non. Allez, comment que vous mettez là? I. E. Ok, alors, des fois, nous, quand on pense à une certaine logique, nous pensons ou, i, i. L'escalier, elle est bon. Ou, et puis, il y a le i, i. Par contre, quand il y a le cœur, il y a i. Rappelle ça. Ok, il n'y a pas le cœur, il y a le cœur. Est-ce que c'est bon? Oui. Donc, vous venez il qui il, excuse-moi, il qui rit, il qui rit. Irka 1, Irka. Je faisais Irka O, ça a une année réelle, hein? Vous avez manqué une année réelle, hein? Je faisais Irka O, qui manque un wow là-dedans. Donc, je vais manque un wow dans Irka O. Plutôt, mon pauvre, l'inchallah. Attends, je vais aller se comme ça. Irka O, vous avez un wow. Après, il y a un alif. Un erreur comme on tape ça, ok? Allez, nous continuons. Ici aussi, il y a un irkarn. Ok? Nous avons l'autre là, c'est yarfiru. Il y a un pareil. Irfir, irfiri, irfiro, 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 irfirn. Ok? Remarquez quand nous causons avec Allah, il y a rabbirfir, rabbi, irfir, rabbirfir. Ok? Allez, donc nous allons dire Allah ordonné. Et l'autre question là,
Est-ce que vous êtes d'accord si je dis à vous, et une fois ça, usjud là, l'ikavin usjudi. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Si je dis à vous, pas au moment l'ikavin usjudi. Vous êtes d'accord ou ça? Décodé. Voilà, très très bien, sœur Houda. Est-ce que vous avez gagné les autres? Normalement, rappel, si arrivé, il y a un mot qui peut commencer par elle. Il y a un mot qui peut commencer par elle. Elle est flamme. Mais nous ne sommes pas capables de lire. L'air là qui nous pouvons faire, nous servir I, tout simplement pour faire liaison. Liaison. Est-ce que ça nous servit ça? Donc, il n'y a pas il, il normalement, il y a déjà même lit. Mais juste pour faire liaison, qui nous fait ça, il a. Est-ce que c'est bon, monsieur Tour? Oui. Ok, là. Allez, très, très bien. Je vais sortir sa slide là. Oui. Allez, je vais sortir sa slide là. Ici, là. Ça vient d'exception, hein, Olivier, là. Redis à moi les quelques exceptions, là. Non, c'est le fait qu'il nous servit Kassara au milieu là, Yirko. Il va nous servir Fatha. Oui. Il va nous servir un... Fatha. Je servis un Jabar là. Oui, oui, oui. Non, il n'est pas une exception, ça, frère Forzad. Il n'est pas une exception. Ce qui m'a dit, normalement, ça, un livre qui nous mettait là, soit il prend U, soit il prend I. Il n'est pas prend E. Ah. Il passe ici, il passe ce verbe le cœur, il y a le cœur, pour tout verbe. Soit il prend ou, soit il prend i. Quand il prend ou, quand prochaine haraka, ou. Quand il prend i, quand prochaine haraka, soit e, soit i. Ok? C'est bon? Oui. Si vous pouvez dire, je vais vous dire, je vais vous faire ça. Allez. Nous continuons. Maintenant, nous sommes dans Usjud. Pour le moment, je vais trouver l'Ivin Usjudi. Il fait l'Ivin Usjudi. Tout simplement, sa prochaine mot-là, il est capable de commencer par elle, par exemple. Il peut commencer par elle. Il y a là, comment nous, qui fait il y a un soukoun ici. Rien nous gagne un soukoun ici. Nous pas pour ici avancer. Nous pas pour ici avancer. Donc, nous mettons un i pour qu'il nous réussisse à faire sa liaison-là. Est-ce que vous êtes capable de suivre? Oui. Allez, nous continuons. Vous pensez, c'est bon? C'est tout qui m'a pour dire côté explication. Maintenant, nous allons rentrer aux pratiques. Est-ce que c'est une question avant de rentrer aux pratiques? Oui, c'est ça. Une lettre qui suit Alif là. Oui. C'est là que je vais faire. Alif Amzatul Was là, comment il fait? Rédiamant, je vais comprendre où. Par exemple, vous dire was du doux. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous pose ça, Inch'Allah. Ok? Je vous pose ça. Et demain, 6 minutes avec vous. Peut... Allez, dis-moi l'autre question. Quelle est la question, Ena? Ça veut dire qu'il faut nous garder un impératif. Donc, vous êtes nous êtes pas. Il y a une séquence. C'est-à-dire, nous faire indicatif, subjonctif, la nouvelle impératif. Non, vous avez jassif. Oui. Comment vous appelez jassif? Non, jassif, déjà. Nous prenons le jassif. Jassif, c'est un subjonctif. Oui. Pas subjonctif. Il y a une sequence. Voilà, il y a une sequence. Donc, premier, nous prenons jassif. Deuxième, nous tire oui. Préfixe. Oui. Voilà. Non, premier, nous le subjonctif, nous le indicatif. La nouvelle jassif, la nouvelle impératif. Oui, si vous voulez. Exactement. Si vous voulez. Oui. Ok? Ok. Allez, l'autre question. C'est seulement, est-ce que vous avez une question? Oui, oui, déjà moi. Yelkaro, ça veut dire recours. Recours veut dire que quand nous cabossons dans la masse, nous pouvons faire recours. Ok? Mm-hmm. Veut dire to bend, si vous voulez, to bend, courber. Donc, sajada veut dire faire sajada, prosterner. Recours veut dire faire recours, veut dire courber. Et yelkaro veut dire pardonner. Ok. Ok? Très, très bien. Allez, autre question avant d'avancer? Oui, nous avons une question. Et Wanda, qui fait un Hamza ou Alif, une raison spécifique? Oui, une raison spécifique, mais pour essayer de répondre à l'autre tableau. Un petit peu difficile pour me faire l'île au PowerPoint. Allez, dis-moi l'autre question encore. Je vais essayer de répondre. Si je ne peux pas répondre à une question, je te rappelle, moi, je vais répondre à une question, Inch'Allah. Est-ce qu'il y a une autre question avant d'avancer? C'est bon. Allez, m'arrête chez moi l'écran. Donc, ce qu'il nous fait, c'est que nous gagnons impératif. Pour qu'il nous gagne impératif, nous servit présent.
Et qui présente une servie? Une servie présente, Jassif. Voilà. Alors, par exemple, si mon servie, Yalkaro, si mon dit Yalkaro, pour me faire une Jassif, me coupe ça, me faire une Yalkar. Est-ce que c'est bon? Yalkar. Maintenant, infinitif, je ne vais pas vous causer, je ne vais pas vous dire « yal ». Il y a « tel car ». Qu'est-ce qu'il y a quand on fait « cause » avec un synonyme? Récemment, « yal car » c'est troisième personne. Impératif, c'est uniquement deuxième personne. Donc, nous dire « tel, tel car ».« Tel car », maintenant, les temps de « tia » se préfixe, il vous reste « je »,« que »,« re ». Ok, là. Mon papa est capable de me mettre un « alif ». Ça, alif là, en passant, appelle ça Hamzatul Wasl. Vous pouvez donner ce nom, Hamzatul Wasl, dans le Coran, je vous dis ce symbole-là. Ce symbole-là peut représenter un sord. Ok? Si vous pouvez appeler Hamzatul Wasl, Wasl veut dire liaison. Wasl veut dire liaison. Veut dire ça, alif là, nous mettez uniquement pour faire liaison. Est-ce que vous pouvez suivre? C'est bon, c'est tout? À quoi ça s'appelle Hamzatul Wasl, c'est pour faire liaison. Ok, là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut arriver? Comment on peut dire ça, alif, là? Et là, E, on peut dire comme I. Ça, I, là, je ne peux pas trouver dans le Coran, ça. Je sais que je peux trouver dans le Coran, je peux trouver ça. Ça sort, là. Est-ce que c'est bon, vous êtes tout? Oui. Ok, là, dans le Coran, ce n'est pas I que je peux trouver. Je peux trouver Hamzatul Wasl. Par exemple, get dans le Coran, get dans sur la Fatiha, get quand il y a Ihdina Sirat al-Mustaqim. Ihdina. Je veux dire Allah, donne-nous Hidayat. Ihdina. Donne-nous Hidayat. Remarquez ça, Alif, là, écrit comme ça. Écrit comme ça. Exactement, comment nous l'y tout le monde, enfin, majorité mauricien, comment nous l'y allons, nous Ihdina. Il fait I parce qu'il y a I, je dis Ihdina. Mais si je t'ai le get dans le Coran, pas forcément pour une assaïda. À moi, il y a une copie de Bilen. Mais s'il y a une copie de l'Arabie, pour une Hamzatul Wasl. Est-ce que c'est bon? Oui. Allez, on va continuer. Donc, Irka. Maintenant, moi, je vais dire ça, Ila. Parce que normalement, pas pour une ça. Irka. Mais si arrivé avant ça, Irka, là, nous dire end. Comment dire end en arabe? Wow. Voilà. Allez, me mettre un voix là, voix. Je dois me mettre un voix. Si me mettre un voix, d'après eux, est-ce que mon besoin mettre ça il a? Est-ce que mon besoin prononcer ça il a? Non. 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 Il n'a pas besoin de prononcer parce que mon dessin est là un harakat. Donc, mon pas pour dire, voix il ka. Non. Qui me dit, voix il ka. Est-ce que vous allez me suivre? Oui. Vous allez me suivre? Parce que déjà, il y en a un. Quand Péna, non. Oui, quand même. Dis-moi. Ça vient, Annie ne va pas prononcer. Non, oui, quand même, j'ai oui, je vais répondre à la question. Là, oui, elle ne va pas prononcer. Ok? Oui. Allez. Bon, oui, le cas pas existé, en fait. Oui, parce que ça appartient à ça. Le wow. Ça voilà les designs à voix. Sorry, par exemple, mais comprends-toi bien. Non, le fait que c'est servi un gère là. Wow, là, nous va pas mettre un gère, il n'a pas existé ça. Non, ben, hein. En fait, ça voilà les designs à voix. And. And, déjà, dire voix, ne pas dire oui. Ne pas dire vous, ne dire voix. Donc, il reste pareil. Pareil. Il reste pas ici. Un exemple, mais de fois. Oui. Par exemple, tu as feu. Par exemple, tu n'as pas feu. Et tu parles, tu veux une falka. 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 Allez, je vais te donner l'autre exemple. Sur la Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Malik Yawmiddin, Iyaka Na'budu wa Iyaka Nasta'in. Ihdinas. Alors, regarde comment il termine. Nasta'in. Allez, laisse-moi écrire ça là. Hein. Nasta'in. Nastarin. Normalement, c'est Nastarinu.
Normalement, c'est Nestarino. Et ici, il y a un point. OK? Nestarino. Ici, il y a un point. À cette phrase-là, quand on commence, on commence par Alif. Mais il n'y a aucune liaison. Il y a la même qui nous dit I. Est-ce que je suis moi? Il nous dit Ihdinos. Mais c'est vraiment qu'il y a des gens qui ont lié les mélanges des ayats. Quand on mélange des ayats, c'est là comment on peut lire d'après eux. Oui. Vous avez entendu qu'il m'a mélangé des ayats là. Remarquez comment il m'a mélangé des ayats là. Je veux dire, Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'inu nuhdinas siratal mustaqim. Il fait ça nous là, vient ici. C'est la liaison. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'inu dinas siratal mustaqim. Il pas prononce ça. Il a. Est-ce que c'est normal? Normalement, quand il y a un point, Pas déjà continuer, non? Non, capable de continuer. Si un petit peu, on a envie de continuer, il est capable. Non, capable. Capable, oui, ça c'est traduit, ça. Hein? Bon, pas pour vraiment rentrer dedans, ça c'est traduit, ça. OK? D'accord. Allez. Est-ce que c'est une comprendre sa liaison là? Oui. Donc, ça, Hamza là, c'est un Hamza tu le vois. À cause ça qui, souvent, dans le Coran, il ne pas mettre ça, il a. Parce qu'il dépend. Et Nadjimun Kalyali, Nestari, Nuh, Dinas, Sirot, et Nadjimun Kalyali, Ih, Dinas. Chacun Kalyali se façon. OK? Oui, oui. Allez, on va continuer. On va répondre aux questions sur Houda? Oui, c'est bon, merci. Allez. Maintenant, est-ce que nous sommes capables de rendre le ayat depuis le Coran, depuis le livre, comment on appelle ça? Ban pratique, depuis dans le livre? Allez, toujours. Oui.